Bonjour à tous, c'est Jérémy de la chaîne Frugalisme. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui et je vous fais une vidéo dans laquelle je vais vous donner mes meilleures techniques pour vous permettre de voyager en prenant l'avion à moindre coût. Alors, avant d'aller plus loin, je vous invite vraiment à mettre un max de pouces si vous aimez cette vidéo, à souscrire également à la chaîne et cliquer la cloche pour être tenu au courant de toutes les nouvelles vidéos à venir. Également, n'hésitez pas à me laisser des commentaires parce que ça nous permet d'échanger, de rester en contact, d'arriver petit à petit à avoir une communauté qui se crée comme ça. Je réponds à tous vos commentaires, d'autant que la plupart de ceux que je récupère, de ceux que je lis, sont vraiment très très intéressants. Donc n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. Vous le savez, les billets d'avion, c'est quelque chose qui coûte cher. Alors on essaye toujours d'éviter de prendre l'avion parce qu'en plus c'est vrai que ça pollue, mais parfois quand on va à l'étranger, c'est quand même le mode de transport qui est le plus pratique, faut le reconnaître. Alors dans cette optique là, quand on essaye de les chercher à les payer les moins chers, on essaye de retrouver tout un tas de techniques pour arriver à minimiser les coûts. Donc je vais vous en donner quelques-unes et vous allez voir, je pense que vous allez être assez surpris. Allez, on commence. Numéro 1, la première technique pour payer moins cher vos billets d'avion, c'est d'aller sur un site qui s'appelle Skyscanner pour comparer les prix des billets. Les comparateurs, évidemment, vous connaissez, ça vaut toujours le coup d'aller faire un tour sur les classiques, hein. Mais effectivement, celui-là, moi, ça fait franchement plus d'une dizaine d'années que je l'utilise et j'en suis relativement content parce que ça permet d'avoir quand même des prix qui sont dans l'ensemble en dessous de ce que je retrouve ailleurs. Pas toujours, mais voilà. En tout cas, quand je compare les prix, je commence toujours par Skyscanner parce que c'est un site qui est vraiment très très efficace et qui vous permet de vraiment balayer l'ensemble des compagnies aériennes et ensuite de mettre des options. Peut-être que vous êtes flexible sur vos dates, peut-être que vous avez tout le mois, etc. Vous pouvez vraiment tout configurer, c'est idéal, c'est parfait, je vous le recommande. Je fais cette petite pastille que je rajoute à la vidéo parce qu'il y avait 2-3 petites choses que j'avais oubliées et ça me semblait quand même vachement important que je vous en parle. Donc du coup, je me permets de rajouter cette petite pastille-là ici au milieu, un peu entre deux. Une chose qui est très importante quand vous prenez vos vacances, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut arriver à réserver quand même vos billets en avance. Plus vous les achèterez à la dernière minute et plus les prix vont monter. C'est quelque chose qui est très important et pour arriver à bien déterminer la meilleure date pour arriver à prendre vos vacances, eh ben vous devriez penser à aller encore une fois sur Skyscanner parce qu'il y a une page qui vous aide avec leurs algorithmes à trouver la meilleure période de l'année pendant laquelle vous pourriez acheter vos billets d'avion. Donc c'est quelque chose qui est très utile parce que statistiquement ça va vous donner les meilleurs moments et effectivement vous allez pouvoir faire des économies là-dessus. Autre chose qui est important à savoir, c'est que dans la semaine, il vaut mieux que vous partiez entre le mardi et le jeudi, mais entre le vendredi et le lundi soir, mardi matin on va dire, vous allez payer beaucoup plus cher parce qu'en fait c'est les week-ends et les week-ends c'est les moments où il y a le plus de gens qui rentrent chez eux ou qui se déplacent parce qu'ils ont des locations de vacances, etc. Et donc du coup ça coûte plus cher. Il y a une chose qui est importante à savoir, c'est que quand vous achetez vos billets via les comparateurs en ligne, la plupart d'entre eux utilisent des algorithmes, des petits programmes qui leur permettent d'arriver à scanner votre adresse IP, c'est-à-dire à identifier votre machine. Parce que en général, ce que vous faites, c'est que vous allez sur un comparateur, puis sur un autre, et puis vous revenez, puis vous revérifiez à un autre moment de la journée. Et du coup, ils se servent de ça pour ou monter les prix, ou mettre des petits messages du style « Attention, il ne reste plus que 3 places ou 2 places ». En fait, il s'agit de techniques commerciales pour simplement vous inciter à acheter plus vite les billets chez eux. Voilà, donc pour ça, il y a une petite astuce, c'est d'utiliser toujours la navigation cachée. Hein, dans votre navigateur, vous pouvez vous mettre en navigation anonyme ou navigation cachée. Alors, ça ne va pas nécessairement supprimer ou cacher votre adresse IP, mais ça va au moins empêcher certains cookies d'accéder au navigateur et donc de vous traquer. En tout cas, c'est une technique que je vous conseille. Et effectivement, si en plus vous pouvez utiliser un VPN ou un système qui permet de changer votre adresse IP, c'est encore mieux pour la protection de vos données. Vous pourriez faire une économie qui est assez importante si vous achetez vos billets en ligne. Effectivement, ces plateformes, en général, elles vont vous mettre le prix du billet et puis ensuite, pour toute la réservation, etc., l'administratif, eh ben, ils vont vous facturer en quelque sorte des frais de dossier. Et si vous regardez dans les petites lignes, vous allez bien voir que ces frais de dossier ne sont pas toujours
toujours les mêmes en fonction des différentes heures de la journée. Effectivement, si vous achetez vos billets d'avion la nuit, entre 2h et 4h du matin, là, vous pourriez économiser parfois plusieurs dizaines d'euros. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est important et qui n'est pas négligeable. Un conseil pour payer moins cher vos billets d'avion, c'est d'adhérer au programme de fidélité. Et oui, ça a l'air bête comme ça et on se dit « Oh là là, encore un programme de fidélité et pour le peu que je prends l'avion, ça vaut pas le coup. » Vous devriez quand même y prêter attention parce que parfois, vous pourriez être tenu au courant notamment de petites opportunités, des petites pépites à côté desquelles ce serait quand même assez malheureux de passer. Par exemple, il y a quelques années, j'étais allé en Thaïlande et j'avais pas fait très attention, mais j'étais déjà inscrit sur le programme fidélité de la compagnie nationale qui est Thai Airways. Et j'avais reçu un email pour m'informer que c'était l'anniversaire de la compagnie. Alors, ne me demandez pas si c'était les 20 ans, les 30 ans, je sais plus. Mais en gros, ils faisaient des billets à prix cassé et ça m'a permis d'avoir un billet aller-retour Paris-Bangkok qui m'avait coûté, je crois, de mémoire, dans les 400 euros en vol direct. Hein, en vol direct, ce qui est exceptionnel. Ça faisait quelques années quand même que je voyais des gens qui prenaient l'avion et j'étais sûr qu'il y avait une technique, une astuce, une backdoor qui permettait de payer beaucoup moins cher. J'avais entendu qu'il y avait certaines personnes qui prenaient les places en business ou en première et qui ne payaient pas le prix qu'ils devraient payer. Alors j'avais même vu des vidéos où certains recommandaient de bien s'habiller et puis de se présenter comme un agent de voyage, etc. Alors ça, j'ai essayé un... Le type était mort de rire, il m'a dit « Mais écoutez monsieur, ouais, pourquoi pas, mais alors, vous avez 15 ans de retard, quoi. » Vous avez 15 ans de retard, il m'a sorti. Donc voilà, ça, ce truc-là, bon, après, si vous êtes dans un pays à l'étranger, ça peut peut-être encore marcher, mais en tout cas, en France, à Roissy, oubliez, c'est même pas la peine. Un autre moyen d'arriver à faire des économies sur vos billets, c'est l'utilisation de cartes de crédit. Alors, en France, beaucoup de gens parlent de cartes de crédit alors qu'ils utilisent en vérité des cartes de débit. Regardez sur votre carte bleue, c'est très beau, probablement écrit débit dessus et non pas carte de crédit. Les cartes de crédit, c'est surtout quelque chose qu'on trouve aux États-Unis. Il y a très peu de banques qui le proposent en France. Il y a une exception qui peut être intéressante et qui peut représenter une réelle opportunité. C'est American Express qui a un programme avec Flying Blue. C'est intéressant parce que ça vous permet de payer avec un mois de décalage en quelque sorte. Et puis, il n'y a pas de surcoût, etc. dessus. Et puis American Express vous offre des miles et des petits cadeaux, etc. qui sont associés. Donc si vous avez un compte chez Boursorama, par exemple, je sais que vous pouvez l'avoir gratuitement. Moi, personnellement, j'en ai une. Attention, c'est pas avec ça que vous allez faire des trucs de dingue parce que franchement, les économies dans la pratique que vous allez faire, elles vont être à la marge. En revanche, il y a autre chose qui existe aux États-Unis, c'est les vraies cartes de crédit en quelque sorte. C'est-à-dire que c'est une pratique très commune là-bas que les gens utilisent des cartes de crédit et vivent à crédit. En moyenne, il me semble que c'est aux alentours de 7 000 $ par personne de crédit permanent, quoi. Ce qui est très très dangereux. Et encore une fois, je ne vous incite pas à faire ça. Je vous explique juste les techniques qui existent. Alors, les banques américaines offrent tout un tas de cartes de crédit avec des avantages plus intéressants les uns que les autres. Vous avez notamment des bonus d'ouverture. Si vous dépensez telle somme pendant telle durée, à ce moment-là, vous allez avoir des vols gratuits, vous allez avoir énormément d'avantages. C'est très dangereux à utiliser. Par contre, là où ça peut être intéressant, c'est si vous avez une entreprise, si vous faites du business sur Internet, que sais-je, si vous faites du Amazon FBA, du dropshipping, des choses comme ça, peut-être à ce moment-là, vous pourriez penser à ouvrir un compte avec ce type de carte de crédit et à utiliser ces cartes de crédit puisque vous auriez des gros achats à faire par rapport à votre entreprise. Là, ça a du sens. Encore une fois, faites très attention si vous jouez à ça parce que c'est un jeu qui est dangereux. N'empêche que c'est avec cette technique-là que la plupart des gens arrivent à avoir des vols gratuits ou des vols pour quasiment rien ou arrivent à avoir des tas d'avantages. Donc voilà, technique très 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 efficace mais très 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 risquée et que je ne recommande vraiment vraiment pas à tout le monde, c'est vraiment dans des cas particuliers, notamment les entrepreneurs. Encore une fois, je ne vous recommande pas d'avoir de crédit à la consommation et les cartes de crédit. Faites très attention quand vous jouez à ça. Ça ne s'adresse pas à tout le monde, mais il y a des gros entrepreneurs parfois qui ne sont pas au courant de ces systèmes pour arriver à voyager à moindre coût. Donc voilà, ça peut être une opportunité. Pensez-y. Attention encore une fois à utiliser avec vraiment, vraiment grande précaution parce que c'est très dangereux. Et pour l'ensemble des gens, moi, c'est vraiment pas quelque chose que je recommande. Maintenant, on va passer à ma technique, celle que je recommande. Si vous pouvez y arriver, c'est encore ce qu'il y a de mieux. Dans toutes les compagnies aériennes, il y a un programme fidélité qui existe et qui est réservé
aux membres d'équipage, aux membres techniciens de la compagnie et à leurs familles et à leurs amis. Ce type de programme, on appelle ça les buddy pass. Buddy, ça veut dire copain. Avec les buddy pass, l'idée, c'est que sur chaque vol, il reste toujours quelques places qui sont inoccupées. La compagnie décide de brader ses vols, en quelque sorte, en les vendant à quasiment rien, pour donc, effectivement, les membres de la compagnie et ceux qui sont parmi leurs amis. À ce moment-là, vous pourriez avoir des vraies, vraies, vraies opportunités, c'est ce dont je bénéficie, pour arriver à voler pour quasiment rien. La seule chose vraiment importante à considérer, c'est le fait que vous n'êtes pas garanti d'avoir votre place, puisqu'il s'agit de billets entre quelque sorte invendus. Ce qui veut dire que si à la toute dernière minute, une personne décide d'acheter cette place au prix normal, à ce moment-là, vous pourriez vous retrouver éjecté en quelque sorte et prendre éventuellement le vol suivant. C'est extrêmement efficace pour arriver à faire des économies. C'est pas extrêmement facile à obtenir parce qu'il faut que vous connaissiez une personne qui travaille dans la compagnie aérienne et que cette personne accepte de vous inscrire sur ce type de programme. Et ensuite, à ce moment-là, bah, vous pourriez en bénéficier. Sachant par ailleurs également que les membres des compagnies ont un nombre de places limitées. Hein. Ils ne font pas ce qu'ils veulent non plus. Cette technique, y a personne qui en parle. Et effectivement, elle n'est pas extrêmement facile à mettre en application en quelque sorte. Mais ben, personnellement, voilà, j'ai la chance de pouvoir en bénéficier. Et si vous avez encore une fois dans votre entourage des gens qui travaillent pour les compagnies aériennes, que ce soit des personnels navigants ou que ce soit également des mécaniciens ou des gens qui travaillent au sol, eh ben, ils devraient pouvoir vous en faire bénéficier également. C'était Jérémy, la chaîne c'est Frugalisme. Je vous donne des petites astuces pour vous aider à faire des économies. N'hésitez pas à souscrire à la chaîne si ça vous intéresse et à cliquer à la cloche pour être tenu au courant des vidéos à venir. N'hésitez pas également à me laisser un commentaire. Je réponds à toutes vos questions, à tous vos commentaires. Voilà, je vous dis à très bientôt. Merci, ciao.